C'est l'histoire de Claire, une jeune femme d'origine sud-coréenne, mais qui a grandi en Europe. C'est le temps d'un été. Elle va retrouver ses grands-parents coréens, émigrés au Japon depuis plus de 50 ans pour fuir la guerre de Corée. Elle y va dans le but de les ramener dans leur pays natal, qu'ils n'ont pas revu depuis toutes ces années et qu'elle-même ne connaît pas. Mais étant donné qu'ils ont des relations un peu compliquées, elle ne souhaite pas passer tout son temps auprès d'eux et en parallèle, elle donne des cours de français à une petite fille japonaise, Mieko. Pour moi, cette histoire, c'était l'occasion de parler du rapport à l'exil et à la terre maternelle, qui peut être source à la fois de crainte et de désir autour peut-être d'une image fantasmée aussi. Et puis, c'est aussi l'occasion de parler dans ce contexte de la filiation, à travers quatre personnages féminins de quatre générations différentes, entre Mieko, la petite enfant d'une dizaine d'années, Claire, au début de la trentaine, la mère de l'enfant japonaise, la quarantaine, et cette grand-mère, 80 ans. Mais le bon joueur sait qu'on ne rompt pas le contact de la main sur le curseur. Garder le contrôle, sentir le moindre grippage, le pallier par un léger redressement du poignet ou l'infime détente des phalanges. C'est imperceptible, c'est toute la différence. Ne pas se laisser distraire par ses voisins, ni aveugler par les lumières. Oublier la cigarette, ne plus entendre la musique, ni le boucan des 300 machines de l'établissement de mon grand-père.